Et donc voilà, salut, heureux tout le monde, on se retrouve avec la clairière maudite. La vieille femme du village est en réalité une sorcière. Elle crée ses sorts à la clairière maudite, dans la région du milieu. Elle a trouvé un moyen de faire sortir la sorcière de la clairière maudite. Ok, objectif, détruire la sorcière. Utiliser le sort de destruction pour faire sortir la sorcière. Alors, est-ce que nous avons... Non, on l'a pas. Donc il va nous falloir trouver déjà le sort de destruction. Gagner un sort. Non, on va gagner un point d'intellect. Plus on aura d'intellect, plus on pourra prendre de sorts. Et temps de vie. Yes. Petits points de vie là qui vont s'accumuler. On va traîner dans ce coin-là pour récupérer les vies. De l'or. Pour l'instant, on est bien. J'ose les temps de vie. Le labyrinthe. Alchimie, mais on s'en fout, tu viens. Il nous faut le sort de destruction. Incroyable. José le druide a réussi à se sortir de ce traquenard grâce à son point de destin. La grotte. Tenez deux pièces d'or. Hein. La vache. Et druide, ça palpe. Hein. Bon plan de carrière. Probablement force de vendre des potions, évidemment. Voilà, on a intellect 5 plus 2 avec la couronne. Bon, ça c'est un point de force. On va pas pouvoir encore échanger nos trophées. Le vortex magique. Un vortex magique absorbe tous les sorts actuellement détenus. Ok, c'est pas grave. Ils étaient tout pourris. Les malfaiteurs. Vous attaquez, vole votre or. Oh non. D'accord, il faut retourner à l'oasis pour récupérer notre thune. Récupérer notre petit point de destin. Guérison. Ah mais on peut en prendre plusieurs. Voilà. Alors attendez. Parce qu'on peut se servir du sort pour se téléporter. On va peut-être le garder justement pour aller chercher la sorcière. On change d'alignement et on va aller à la chapelle. Prions à la chapelle. Ignorer. Très bien. Dans les murs. Ah, il a tout donné. Il a tout donné, le pauvre. Mais ça n'a pas suffi. On va aller prier au cimetière plutôt. La chapelle, c'était pas fameux. Non, ici non plus. Décidément. Une tempête. Qu'est-ce qu'on prend comme tempête hein, depuis le début de cette aventure avec le druide? Ça veut me dire quelque part il y a une certaine cohérence. C'est quand même lui le plus proche des éléments. L'épée runique. Normalement c'est bon. Voilà. La vieille sorcière, elle est là. Maudite par une vieille sorcière, vous devez la prendre comme suivant. Tous les autres suivants vous quittent immédiatement et restent ici. Vous ne pourrez pas prendre d'autres.
Et salut à toi Big Burger, bienvenue sur le live. Alors attendez. Détruisez la sorcière à la clairière maudite. Où est la clairière maudite? C'est la question. Ah mais oui d'accord, c'est pas la même sorcière. Décidément, sorcière est un métier à la mode. Oh là là. Ah non. Et non. Il va falloir qu'on fasse gaffe à nos vies, non? Ça va, on a de la marge. Ah oui, il y a les temps de vie ici. Nous sommes mauvais, hein, y a pas de souci. Rayon. Rayon, mais sans succès. On a ici déjà, ce serait bien. Ah bah voilà, un druide avec une licorne. Ah mais je peux pas prendre le... Eh oui, puisque nous avons la sorcière. Terrible, ils sont relancés ça. Bon. Ok. Pas de problème. Voilà, ça t'apprendra à vouloir nous détrousser. Récupère nos points de destin. Si le géant, on va pas se le faire deux fois de suite. Ah, de l'or. C'est bien parce qu'on était un peu sec là. Ça fait piquer nos 5 pièces d'or tout à l'heure. Parfait. Alors, avec une pièce d'or, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand chose. Non. Et oui, on s'en fout de cette épée puisque c'est le misclic. Simplement. Alors, est-ce qu'on pourrait pas virer... Est-ce qu'on pourrait pas virer un sort? Ah, on pourrait tenter l'explosion psionique sur... Attends, on va aller voir le géant. Hein. Parfait. Pas l'utiliser là. Là on peut. Voilà, bim. Dans ta face. Alors. Là, on gagne un petit point de force. On va aller chercher un nouveau sort. Il nous faut le sort de destruction, donc c'est compliqué. Toi, tu dégages. Ah, évidemment, on préfère avoir la hache plutôt que l'épée, puisque la hache nous permet de fabriquer éventuellement un radeau. De là, de toute façon, on va revenir un jour. Oh là là, terrible! Terrible! Qu'est-ce qu'on peut lui mettre là? Invisibilité, bon problème. Vous êtes désormais invisible, vous pouvez fuir. Ah, parce que là, c'était un peu la violence. Voilà, on va essayer de truander le mage qui nous donne des sorts. Acquisition. Lancez ce sort au début de votre tour. Avant de vous déplacer, gagnez une pièce d'or ou achetez l'un des objets suivants. D'accord. Non, on peut pas avoir... voilà. Merci bien. C'est important de vider notre stock de sorts parce que... Notre stock de sorts, pardon.
Parce que sinon on ne peut pas en récupérer d'autres. Une fée. Il faut être bon pour la fée. Ah. Mais si on est bon, on perd les pères uniques. On va gagner un point d'intellect. On a dû déjà laisser tomber les pères uniques quelque part, non? Vous avez le bonsoir du stagiaire. Terrible. Est-ce qu'on va s'en sortir de cette quête? Pas qu'elle soit vraiment compliquée, mais... Mon truand de Mephisto, il nous donne un point d'intellect. On se met bien. Tiens, non, attends. Attends. On a un compte à régler ici. Voilà. Disparition de l'apparition. On va aller récupérer des points de destin, peut-être. Si on va aller voir si Vlad est dans les parages, il ne l'est pas. Ah, ça y est, on a le sort qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'on va virer? On va virer l'épée. Et donc maintenant il faut qu'on arrive ici. Donc on va passer par la taverne toujours. Ah mais là Josiane le spectre. Ah, c'est bien d'essayer mais bon. Attendez, on peut même insister un peu. Ici un petit point. Voilà, 9 en intellect. On récupère l'épée runique. Ah, est-ce qu'on virerait pas plutôt le casque? Comme ça, si jamais, voilà, on peut peut-être fabriquer ici le radeau. En plus de ça, on trouve le radeau, donc... Et après, par où on passe pour aller au radeau? Bon, bah c'est pas grave, on passera par la taverne, pas de problème. La taverne, le temps de gagner un point d'intellect. Et donc, il faut qu'on aille... ici chercher la sorcière. Ah non, quel enfoiré. Quoique, ouf. L'esprit frappeur, bon c'est pas grave. Le fantôme, ouais, barre-toi d'ici. Le fantôme il va aller hanter le château. Esprit frappeur qui nous force à bouger que d'une case. Non. Le frappeur, il est pas venu nous embêter. Ah mais c'est parce que... parce que nous avons la vieille sorcière, du coup l'esprit frappeur ne vient pas avec nous. Antenne de sagesse. Très bien.
Allez, tabassage de fantômes. Et ciao Turtle, bon courage pour ton match et merci d'être passé. Allez, on a bientôt terminé avec cette quête. Le Saint Graal. Un Graal qu'on ne peut pas prendre puisque nous ne sommes pas bons. Ah mais il n'y a aucun souci, Lia. D'ailleurs, regardez ce qu'on va faire là, parce qu'on l'a quand même gardé exprès. On peut pas s'en servir. Voilà, maintenant on va s'en servir. Téléportons-nous. Parce que c'est pas tout de garder le sort exprès pour faire ça. Et justement, on ne s'en sert pas. Recharger votre destin. Parfait. Et là, on peut pas s'en servir. Là, on peut s'en servir. Alors, pour vous servir du sort destruction, sélectionnez une case comportant A. Ok. Désolé, j'avais pas compris ça comme ça. Eh bien écoutez, c'est fait, la sorcière a été oxy. Bon, merci d'avoir suivi cette quête en souhaitant que ça vous ait plu. On se retrouve tout de suite pour la suite.